La chapelle fait partie d'un ensemble de bâtiments, reste d'un modeste prieuré habité par 2 ou 3 moines. La soue à cochons, le bâtiment d'habitation. La chapelle est le bâtiment le plus intéressant. Retournons vers son pignon est. Des fondations faites de briques romaines. Les environs sont riches en vestiges gallo-romains. Le pignon est fait de pierres variées qui s'entremêlent de façon harmonieuse. Les deux contreforts et enfin ce décor de briquettes de type carolingien. Le triangle supérieur le plus grand représenterait Dieu le Père. Les 4 triangles suivants, les 4 évangélistes. La ligne inférieure avec ses 13 triangles représenterait la scène. La ligne au-dessus n'a pas reçu d'interprétation. Les spécialistes datent la chapelle de l'an 1000 ou l'an 1100, ce qui en fait la plus ancienne du Morbihan. Puis la chapelle a fait l'objet de plusieurs rénovations. On voit dans ce pignon S que la toiture a été surélevée. Cette restauration date du 15e siècle, vers 1405-1410. À cette même date, dans la façade sud, la porte d'origine a été murée. Une différence de style entre la partie A et la partie B montre que la façade a donc été rallongée. Ainsi, au XVe siècle, c'est une chapelle plus haute, plus longue de 7 mètres, qui succède à la chapelle de l'an 1000. Cependant, au XVe siècle, les 2 grandes fenêtres n'existaient pas. À leur place, des meurtrières, comme on peut encore en observer sur la façade arrière. Ces 2 grandes fenêtres ont été percées lors d'une nouvelle restauration. La date est inscrite sur un pilier de la fenêtre, 1631. Le bâtiment d'habitation visible actuellement daterait de cette époque, comme l'indique l'inscription gravée dans la pierre. Fait par Vénérable Diacre Frère Guillaume Provost, prieur de Séan, 1633. À la Révolution, la chapelle est devenue un bien national, puis a été vendue et transformée en grange par les fermiers. La base des montants de la porte a même été entamée pour permettre le passage de barriques de cidre. Dans les années 70-80, une association de sauvegarde est créée et l'ensemble est classé monument historique. La restauration extérieure et intérieure a commencé en 2010. L'ouverture au public a eu lieu en 2012. Entrons pour découvrir l'intérieur.